Ladies and gentlemen, welcome to Come On, Let's Dance special edition. When we talk about dance, we think of fitness, and today it's a special show. It's fitness dance, and we have today hashtag dance studio, and of course we have Rosie Dance Mauritius. And on tonight's show, we have Reshma, Emma, Sorenza, Ravi, the director of hashtag dance studio, Benjamin Manbot. The director of Rosie Dance Mauritius, Rosie, Evolution of Dance, Name That Dance, TikTok Moment, and your chance to win a voucher worth 3,000 rupees offered by Kotz Mammouth. And once more, ladies and gentlemen, bienvenue pour votre show, Come On, Let's Dance. It's all about dance, and today it's all about fitness also. Et là, moi, vous dites, de temps en temps, que vous êtes à la musique, n'importe quoi, ça, ça, cet été, c'est la tendance pour bouger un petit peu, qu'il est dans le travail, qu'il est à la maison, même dans le bus parfois, dans la musique. Là, nous pouvons mettre un petit clip, bonne sécurité aussi, de temps en temps, they let themselves loose. Check this out. So proud to be here today with you to celebrate dance, to celebrate fitness dance. Coming up next, it's You've Got Mail. You've Got Mail. Et encore une fois, merci beaucoup de nous recevoir ce bon email, de qu'avoir une nuit encore. Là, comme d'habitude, nous ne choisissons que trois. Vishal de Quatre Bonnes. Alors, thanks for promoting our local dance. I'm a huge fan of Mira Dina, who is there for our Bhojpuri special. Love your show. Merci l'équipe de la MBC. Quand bon, bisin, diabon. Ça, c'est Sonia de Ficanflac. Merci beaucoup. Et Marc d'Albert, Iliana et Catherine, thanks for cha-cha-cha, our favorite dance. Please show us some more. We want more. Thank you so much, guys. Merci beaucoup, comme on dit à eux. C'est pas juste moi qui suis tout le temps devant. Il y a toute une équipe qui fait Come On, Let's Dance un succès. And coming up next, a little clip about fitness dance. Stay low. Le programme de danse fitness est connu pour synthétiser le mouvement cathartique et les avantages correspondants pour la santé mentale avec l'amélioration de la santé physique que tout exercice procure. Les mouvements que vous verrez dans un cours de danse fitness sont souvent empruntés à de nombreux autres styles de danse, en particulier les formes de danse sociale africaine et latine. D'autres cours de danse fitness empruntent au ballet comme la barre ou fonctionnent comme un cours de danse régulier, enseignant un style spécifique et mettant l'accent sur l'aspect fitness et exercice de la chorégraphie. Suivre un cours de danse avec l'intention d'être plus en forme est également considéré comme une forme de danse. C'est donc vraiment ce que vous en faites. La danse fitness est pour tout le monde parce qu'elle fonctionne sur un large éventail de styles et de compétences avec des objectifs allant d'une mobilité accrue et d'une meilleure humeur à l'entraînement cardio, à la musculation et au conditionnement de classe mondiale. Il n'y a vraiment pas un groupe de personnes qui ne serait pas en mesure de trouver un style de danse fitness qui leur convient. Et comme la danse fitness est basée sur l'amélioration du corps par des mouvements ou des exercices rythmés et répétés, elle peut plaire à un large public. Alors, on est très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. A show not like every show today. It's about fitness dance. J'ai des experts avec nous aujourd'hui. And as you know, fitness changes from time to time. It started back in the 80s with Jane Fonda workout. Then it moved into flash dance sort of workout. Now, the big thing, as you know, it's Zumba. We have Emma and Benjamin. Alors, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. OK, on va commencer par Emma. Alors, Emma, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Emma. Je suis coach de Zumba depuis, on va dire, 2 ans et demi environ. Et je travaille à Hashtag Dance and Fitness Studio depuis quelques mois. Ça vient d'être ouvert en octobre et on avance dedans et j'espère continuer encore plus. Excellent. Alors, Benjamin, bienvenue sur Come On, Let's Dance. Merci, on est merci. Très, très fiers de t'avoir aujourd'hui. On te connaît comme Benjamin, the expert in Zumba. Alors, présente-toi à l'île Maurice.
Donc, premièrement, je m'appelle Leïd Benjamin. Okay, donc, il y a un nouveau studio actuellement qui se trouve à Belle Rose, à chaque Dance and Fitness Studio. Et le studio, donc, il y a Zumba, il y a plusieurs classes de fitness, Zumba, Pound Fit. Pound Fit qui, dans l'océan Indien, très rare à trouver. Pound Fit, Strong, Bollywood Burnout, Hip Hop and Pop Dance Fitness et aussi des classes de danse. Donc, je fais ça depuis environ 7 ans, 8 ans maintenant. Et aussi chorégraphe de danse. Exactement. Je te suis sur Facebook, okay. Dans un clip t'es posté, je suis fan. Tu fais très très bien, je te félicite. Moi aussi, mon fan. T'es comme ça. Bouger bien comme bien bouger. Oui, mais bien bouger, motive. Le reste, tout le monde peut venir pour trouver-moi en pleine forme. Vous avez envie de passer une bonne journée ou mettons une passer une mauvaise journée. Moi, là, remédie à fond. Tu as bien dit, hein, de temps en temps, moi, venir me trouver toi. Et c'est vrai que tu es tout le temps souriant, tout le temps te venir, te mettre dans une bonne humeur. Tu as tout. À l'époque actuelle, quand nous étions là, tu venais, tu connais Ben Dibou dans le monde. Je félicite, c'est un talent exceptionnel que merci tu as. Merci beaucoup. Alors, votre style préféré, c'est quoi votre danse, musique pour une classe? Je n'ai pas vraiment de style préféré, mais mes musiques à moi, c'est vraiment côté pop. Et surtout, je mets un petit peu des musiques mauriciennes aussi pour que les gens s'enjoyent. Un petit cigare là. Oui. Il faut mettre un petit bol pourri aussi, on adore ça. Je vais essayer de mettre. Essaye, oui. Alors, we're talking about the Zumba. Fitness dance, qu'inspire toi de lever parce que je connais chorégraphe, tu as besoin de lever un spectacle de quelque chose pour te classe, te bande mouvement. Alors, comment tu te fais ça le matin? Bon, on a une routine un peu très bizarre concernant ça. Donc, moi. J'aime bizarre. Ouais, voilà. Donc, it works. Exactement. Donc, par exemple, il n'y a pas que la musique qui me tendait, ok? Mon nez fait me diriger, me tourne, puis danse. Donc, automatique, inspiré, mon corps trouve un pied, puis bouger, me fait un mouvement, me finit gagner un mouvement. Je viens un pied. Voilà, me viens un pied, me trouve toi, fait clapper, faire comme ça, me finit gagner un mouvement. Ah bon, d'accord. Voilà, tu vois, mon inspire pas. D'accord. Voilà, maintenant, tu sais, un petit message, donné dans ma bande de monde timide. Je viens de t'envie de faire la classe de Zumba, je viens limite. Parfois, c'est pas qu'une danse, de temps en temps, je vais mettre le You Got Mail, qui te demande de tu les feet. Alors, moi, je conseille de faire une classe de Zumba, c'est vraiment un first step pour commencer. Yes, bien sûr, la classe Zumba est pour tout le monde. Premièrement, ok, c'est beginner level, bien sûr, c'est très cordieux. Et quand tout le monde professeur et danser, tu gagnes tendance, c'est un arpège. Mais Zumba est pour tout le monde, hommes et femmes, très simple à suivre. Ok, et aussi n'importe qui level, là, et là, par exemple pour adultes, et un Zumba pour enfants, et un Zumba de... justement pour les bons enfants aussi. Voilà, il y a des enfants et a pour bébé aussi. Hein. Oui, mon parent vient au bébé. Il y a plusieurs bébé, et un Zumba de piscine. Il y a plusieurs versions de piscine, Zumba avec step, haute. Donc, il est très facile à suivre, vraiment, vraiment top. Et moi, mon conseil, c'est de tout essayer. Quand je get les, je me dis, adieu Zumba. Un vraiment très, très bon workout. Time to show you exactly what it's all about. Ladies and gentlemen, we're very, very proud to have them in the studio today. Hashtag Dance and Fitness Studio for the first performance. De volumen, sigue rodeando la movie, me voy a dueña de ese booty, mami pónmelo aquí, pues date un reguero de swing, I love how you move it, what you wanna do, tengo un viaje de cuarto con caras azules, I know what you want baby, magic wand baby, oh, no vamos a parar, con la luz apagada, ella lo quiere mover, pregunta. Visite nada.
hacerle. Ranky de can king can. Mambo. Chama. Ataque. Energetic first performance, hashtag dance and fitness studio. Et maintenant, mesdames et messieurs, il y a mon casse-tipal tout là. Et pour moi, rejoindre l'équipe pour nous faire des trois pas, bien sûr. Là, Mavin, là, merci beaucoup tout le monde. Et je suis à la maison, je suis ici, je suis à faire du petit libre là, un petit dehors. Et merci beaucoup, je vous présente l'équipe, Benjamin, Ravi, Sorenza, Emma, et bien sûr, Reshma, thank you very much. Et là, I had the best view in the house. Je ne peux pas faire ça pour qu'ils aient fait là. Tic, tic, tac, mon gars derrière. Bien sûr, bien sûr. Surtout moi, oui, mon bien observe Emma. Allons faire un petit bout de là. Comment ça fait ça? Roulez. Non, un petit truc égyptien qu'ils ont fait avant. Ah, ça. Oui, ouais. Tu vois. Allez, là, 5, ouais. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si vous êtes ça pour des de trouver ma faire ça, you like it. Et nous capable yes. Faire un petit step que je t'ai montré moi un petit peu avant. Allez, 5, 6, 7, 8. Allez. Allez. 5, 6, 7, 8, let's go. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, and stop. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, poulet. And we'll be back right after this break with a little clip with the Zumba Fitness. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long. La Zumba a été créée par le chorégraphe et instructeur de fitness Alberto Beto Pérez au milieu des années 90. Selon le site officiel de Zumba, c'était le résultat d'un heureux accident. Beto était sur le point de donner un cours d'aérobic et s'est rendu compte qu'il avait oublié sa musique. Il n'a pas eu le temps de revenir en arrière et l'obtenir, alors il a improvisé en utilisant des cassettes de salsa et de merengue qu'il avait sur lui. Au lieu de compter strictement les répétitions, il a fini par improviser un cours qui était le mélange parfait de danse et d'aérobic qui a permis à ses élèves de bouger et s'amuser. En 2001, il commence à enseigner ce style hybride de danse aérobic à Miami et à travers un autre heureux accident, il est entré en contact avec deux autres Alberto, Alberto Perlman et Alberto Aguion. Ensemble, ils ont appelé le nouveau style Zumba, un mot qui n'a pas de sens spécifique, mais qui est devenu synonyme de cette excellente combinaison de fitness et de plaisir et l'a amené dans les centres de fitness du monde entier. La Zumba a été conçue pour être à faible impact et pour être un entraînement intense et efficace pour brûler des calories adaptables et adaptées à tous les âges, types de corps et niveaux de forme physique. Chers dames et messieurs, maintenant c'est l'heure pour vous de participer with NBC in Come On Let's Dance. It's Friday, dance, yeah.
Jouer avec l'imbécile et Come on, Let's Dance ont remporté un voucher d'une valeur de 3000 roupies offert par Kortz Mammouth. Répondez à la question suivante. Qui est la danseuse dans le clip Natch Mary Ronnie? Réponse A, Nora Fatehi. Réponse B, Katrina Kaif. Tapez Dance espace la réponse A ou B. Vous envoyez sur Multimobile 84 84, Mtel 87 78, Chile 83 83. Vous avez jusque 2 janvier pour y participer. Bonne chance! Evolution of Dance Part 1. Et comment se connaît, nous pouvons célébrer Fitness Dance aujourd'hui sur Come on, Let's Dance. Et là, nous avons un petit clip pour vous. Comment ça se passe dans le studio? With a song of Janet Jackson. Evolution of Dance. That was the Evolution of Dance Part 1 with a bit of Janet Jackson dance. That's what happens in a dance studio. Et là, nous retournons sur le set avec Benjamin et Ravi qui est venu. Alors Ravi, comment ça va? Ça va bien, Géré, et toi? Ça va très très bien. Alors Ravi, m'avons connu depuis longtemps. Alors présentez-vous à l'île Maurice. Bonjour, moi c'est Ravi, urbaniste de profession, mais aussi un passionné de danse. Et comme tu l'as dit, ça fait assez longtemps, quasiment 10 ans qu'il me donne la danse. Mais moi, il y a un penchant spécifique pour Bollywood. Et nous essayons d'adopter ça grâce à Ben, nous vendons hashtag Fitness Studio, nous faisons Bolly Funk, un peu live et créatif, et aussi Bollywood Burnout. Bollywood Burnout, c'est plutôt nous essayons d'adopter ça ici à Maurice, que nous tous nous faisons l'exercice, nous tous nous faisons une routine de sport et tout. Nous adoptons nous mélangeons Zumba et aussi nous mélangeons un exercice spécifique pour l'écho avec la musique bollywoodienne. Vous faites ça à deux ou soit quand vous faites votre classe, c'est single? Au fait, il dépend. Il y a de temps en temps, il y a Kumo Fiali, Ravi Fiali. Plutôt, Bolly Funk, c'est Ravi qui Fiali. Okay, il occupe la classe de Bollywood complètement dans le studio. Mais jamais, il y a un événement spécial, Mbokapa Fiali, ou sinon, si Ravi, pas là. Mais seulement, c'est Ravi qui occupe complètement Bollywood dans le studio. Ouais. Laisse-moi vous dire comment ça commence. À un moment donné, au fait, quand il y avait Fame dans le studio, mais ça commençait par le cardio funk. Est-ce qu'il est capable de dire que c'est la même affaire? Le cardio, c'est vrai, mais comme tu dis, funk, le créatif et live. Et surtout, là, quand tu viens dans la classe de Bollywood et Bolly Funk,
nous essayons d'amuser nous-mêmes à travers ben, la musique que te bouger et en même temps te aider beaucoup pas. Et aussi toi amuse toi en même temps et te fais l'exercice en même temps. Sounds very very good. Forget about your sorrows, forget about everything. This is about fitness because we're going to class. C'est fun and it's working out. Ladies and gentlemen, we've got a little clip about a Bollywood burnout. Le Bollywood Burnout est inspiré de Bollywood qui combine une chorégraphie dynamique avec la musique la plus chaude du monde. Son entraînement cardio alterne des séquences de danse d'intensité plus élevée et plus faible pour vous faire bouger, transpirer et sourire. Au cœur même d'un entraînement, Bolly Burnout se trouve l'inspiration qu'il tire de la musique et de la danse Bollywood, l'industrie cinématographique indienne. Ce type de danse incarne l'énergie, l'expression et le mouvement contagieux de Bollywood et vise à rendre la portée du fitness à plus de personnes dans le monde. Bolly Burnout est un excellent moyen de s'entraîner et de s'amuser. Le mélange réfléchi de danse et de gymnastique fait de la classe un substitut amusant à une routine ennuyeuse habituelle de tapis roulant et de poids. Alors, avant une second performance, du coup, cause, Laure, sa chorégraphie qui t'aime faire pour Bollywood Burnout. Alors, est-ce que c'est une classe, c'est une session qui nous peut trouver, qui d'habitude te fait dans ta classe, ou tu ne fais ça spécialement pour Common Let's Dance? Ok, donc dedans, nous fait deux chorégraphies spécialement pour aujourd'hui, plus il y a une chorégraphie qui nous fait dans la classe au quotidien. Donc, je peux trouver comme elle est extrêmement facile à suivre et très dynamique. Excellent. Ladies and gentlemen, hashtag dance and fitness studio in the second performance. हिमलेट कमर मिलियन में तू बेबी एक हिलती कमर जैसे स्नेक तेरी सुंदरता पे लिख दू बेबी दो फुट लंबा लेख कर दू सौ बात की एक लेगी मुझको तुम माथा टेक गर्मी कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख Sorry.
को पे चल जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सूनी वे This is what it's all about, the fitness dance. Alors, je ne vais pas dire Alex, assiste maintenant, c'est boring. The amazing performance there, hashtag dance and fitness studio, Bollywood burnout. And coming up next, name that dance with the group. Name that dance. Come on, let's dance. C'est encore un grand merci à la famille Gobarin de Maibourg qui me dit à nous d'être apprécié. Name that dance. Alors, on a le groupe entier aujourd'hui. Alors, vous deux devant. Je suis capable de faire un friend, je suis capable de nommer 50-50. D'accord. Alors, nous pouvons commencer par le premier step. Alors, nous commençons avec le reste local. Right. Observez. Local, l'île Maurice. Vous avez 5 secondes. Alors. Tout le monde en gauche, tout le monde en droite. Exact, ouais. C'est exact. Now we're going to go to Spain. OK, we're going to go to... Flamenco. Gypsy King. Paso Doble. Excellent. Mais bien intelligent, il m'a dit hier là. Hein? Oui. OK, next. It's easy, it's an easy one. Tout le temps, nous groupe and easy. Alors, vous ne pouvez pas dire ce que nous faisons, Ali, mais c'est un count de 3. Très bien. Là, voilà, vase. Très bien. Là, hein? OK. We go all the way to Ireland. Ireland. Irish dance. Mm-hmm. Polka. River. Riverdale. OK, 5 secondes. C'est Riverdale. Any clue there? Riverdance. Half point. Vous pouvez maintenant répondre un peu. Hein? Last but not least, it's easy. OK. Ce point, et après différentes danses, mais il y a un seul nom pour ça. Right? Right. Robot? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, c'est comme ça. Toujours me l'essayer. La semaine prochaine, on va faire ça. Mirror is good. Mirror dance. Mirror dance. Thank you very much, ladies and gentlemen. This has been the amazing hashtag dance and fitness studio. Mon est un petit mais. They did very well. Coming up next, we've got Evolution of Dance. Evolution of Dance. Now, 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 now
Welcome back. It's the set of Come On, Let's Dance. Thank you very much for being here with us today. Me connais, je suis ici à la maison. Je passe ça si j'ai C'est une partie pour tout le monde pendant le week-end. Come On, Let's Dance. Et là, nous pouvons accueillir Sorenza avec nous. Alors, Sorenza, comment allez-vous? Bonsoir, Jerry. Ça va très bien et vous? Moi, ça va très, très bien. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis Sorenza. Je suis coach de fitness et de danse. Excellent. Et vous faites ça depuis combien de temps? Alors, la danse, c'est depuis 10 ans. Et la Zumba, c'est depuis 4 ans. Et quel type de danse vous faites? Alors, je dirais que c'est un mélange. Bollywood, Belly, le Sega. Donc, on a un groupe avec Lake et on fait des performances, que ce soit dans des mariages et autres. Vous faites tout type de danse? Oui. And this is what Come On Let's Dance is about. It's celebrate the cultures of dances in Mauritius. Alors, on est très, très fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler justement de hip-hop dance, hip-hop fitness. Et alors, depuis combien de temps vous faites cela? Alors, le hip-hop, je dirais 4 ans. Donc, c'est ensemble avec la Zumba. Et de temps en temps, il y a des gens qui viennent timides dans la classe. Quand c'est un hip-hop, vous dites, ah, il y a hip-hop, depuis tournons-nous la tête, tournons-nous les deux. Et en fait, c'est oui. Pas juste ça. Effectivement, j'en ai beaucoup dans la classe. Mais comme Benjamin a dit, c'est pareil comme la Zumba. On a de tous les niveaux. Donc les timides, les moins timides, donc les premiers rangs. Et on doit le dire au fait, les classes, les fitness, it's fun. Oui, pas besoin. C'est sûr. Et de temps en temps, Benjamin, tu me connais, toi, je dis, nous pas qu'on danse, ben la pourrie, nous non, it's there. Voilà, that's exactly. Where you learn, tu commences à apprendre là. Je suis bien venu encourager tout vini parce que ben instructeur là, they're not big headed, de la pour et de ne pas vous critiquer ça qu'on danse, pas qu'on danse. You just come and have fun. It's all about exactement, this. Exactement. Au contraire, quand tu guettes une classe à travers une vide, peu importe, tu peux guetter, il peut paraître vraiment compliqué. Mais du moment que tu joins la classe, tu commences à bouger avec nous. Ouais, les allez, have voilà, fun. Voilà. Il a même qui n'a plus de travail au fait. Et quand même, Benjamin, comme vous avez besoin de dire, mais Benjamin, comme roule ça bien, il wow, tu ah, oui. Si je peux le dire, il est un professionnel dessus. Toi qui... Pas toi, Claire. Là, donc, rouler, je trouve lui comme ça, je trouve lui bien là, comme ça, mais when he's there doing... Ah, he's the best. Allez, d'accord. Ladies and gentlemen, thank you very much, Sorenza. Merci. We've got a little clip about hip-hop cardio. On y va, on change avec la gauche. Le hip-hop est un choix populaire pour la danse fitness. Les pistes de danse ont tendance à être des endroits en sueur pour une raison. Tous ces chimies et shakes brûlent de l'énergie, comme vous ne le croiriez pas, et s'accompagnent également de nombreux autres avantages surprenants pour la santé. Lorsque vous coupez un tapis, vous pouvez dépenser plus de 300 calories toutes les demi-heures, selon un rapport de l'université de Brighton au Royaume-Uni. Cela atteint ou dépasse la quantité d'énergie que vous brûlez lors d'une course ou d'une nage facile, indique le rapport. Même des formes de danse relativement apprivoisée brûle à peu près le même nombre de calories que le cyclisme. La danse demande beaucoup d'énergie car elle implique des mouvements dans toutes les directions. Lorsque vous courez, nagez et d'autres formes d'activités physiques propulsives utilisent le rythme et l'élan pour vous maintenir en mouvement. Avec le hip-hop cardio, il y a beaucoup d'accélération et de décélération dans la danse, ce que le corps est moins capable de faire de manière économe en énergie. Hashtag Dance and Fitness Studio, ils sont là avec nous aujourd'hui, Benjamin, Sorenza. Merci beaucoup. Et là, nous prenons une dernière performance de la part du groupe. Et bien sûr, nous retrouvons Rosie Dance Mauritius juste après, mais nous retrouvons un peu plus tard. Bien In sûr. The meantime, ladies and gentlemen, enjoy this amazing performance. This is Hashtag Dance Fitness Studio. Watch me dance. Top, I wanna hear you say, you don't run from
down with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh. I'm a pop nigga like Bieber, huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitches let me deal, yeah, yeah, yeah. Hey, all they do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. You know, ain't did it again, yo. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. It's Friday, yeah. Une petite surprise pour vous aujourd'hui, on va terminer en beauté, mais avant de terminer, pas tout de suite, nous pour accueillir Rosie pour nous causer un peu le belly fitness et belly dancing. Alors Rosie, bienvenue, comment allez-vous? Bonjour Jerry, ça va? Moi ça va très bien, alors présentez-vous s'il vous plaît. Donc bonjour, je m'appelle Rosie et tout récemment j'ai commencé une école de danse où je fais des classes de danse, mais aussi based on belly dancing, le pure belly dancing et mixed belly dancing qui est Indo Fusion. C'est pour les garçons et les filles aussi? Normalement, oui, le belly dancing est pour les garçons et les filles aussi, mais moi, personnellement, je ne fais pas pour les garçons yet, not yet, yet. Si vous finissez, avec un client, là. Ah, si j'ai des élèves, pourquoi pas, mais malheureusement, il n'y a aucun garçon qui n'a été intéressé jusqu'à l'heure. Donc, of course, it's an opening, because it's quite famous in other countries. Benjamin est là, les nous pour encourager les garçons. Belly dancing, it's fun. Bien sûr, mais il y a un double danseur qui fait lire, Ravi, par exemple. Qui aussi fait belly dancing. Hey, tu voilà. Sais, Benjamin, tournez bien garçon, nous commençons de grossir, nous gagnons une rondeur juste à le côté derrière là. Je me crois belly dancing, vraiment, casse sa bande rondeur là, voilà. Si vous êtes con ça, et bien sûr, join the class quand on fait une classe pour garçons. Alors, cela nous cause le belly fusion. Le belly fusion est un style assez moderne. Ça a été introduit en Amérique en premier, où les gens ont commencé à faire le belly dancing mélangé avec différents styles. Donc, ça peut être mélangé avec n'importe quel style. Ça peut être hip-hop, ça peut être Bollywood, ça peut être salsa, ça peut être burlesque, jazz, anything. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, ce sera belly dancing mélangé avec Indian style, Bollywood style. We can't wait. Ladies and gentlemen, in the meantime, we've got a little clip about belly fusion. Mesdames et messieurs, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous aujourd'hui for your show. Come on, let's dance. Rosie, with a special version of Belly Fusion, Kusu Kusu. Just
it's fun backstage. Comment on explique aux années périllées, entre-temps, Benjamin est toujours là. Là, Rosie, nous plus cause leur belly dance. Alors, tout d'abord, depuis combien de temps est-ce que vous dansez? Donc moi, Jerry, je danse depuis toute petite. La danse pour moi est vraiment une très, très, très grande passion. Et I am a self-learned dancer. Donc, me danser depuis toute petite et vraiment belly dancing, c'est un style qui est tout entier attiré à moi. Je sais pas pourquoi, comme si ça m'a attirée de tout près. Et je suis très contente en fait qu'en ce moment, à Maurice, ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à être intéressés aussi. Et ce n'est pas qu'à Maurice aussi, c'est dans des autres pays. Ouais. Je viens de dire aussi que you're self-taught. All the best dancers, tous les plus grands chorégraphes du monde, they started by self-teaching themselves. Bien sûr, je garde une petite technique. Tu es d'accord avec moi, ça? Totalement d'accord. Ouais. Et voilà, et je vous félicite pour ça. Alors, il faut continuer et vous faites du bon travail. Dans le cours de belly dancing même, cette technique, parce qu'il y a beaucoup de travail. Justement, en étant self-taught, vous pouvez en fait personnaliser la danse. Des fois, quand vous apprenez un style de danse, il y a des gens comme si qui ont tendance à que follow the dance, like 1, 2, 3, 4, let's dance. Mais il manque un peu de personnalisation. Donc, moi, j'ai dit tout le temps à mes élèves, même si vous apprenez la danse techniquement, il faut personnaliser la danse, donc enjoy the dance. Donc, le belly dancing est divisé normalement en trois parties. Vous avez le drum solo, qui est joué sur le daboka. Donc ça, c'est vraiment dance on the beat. Il faut follow the beat. Donc, je danse sur le beat. Après, vous avez un style un peu plus sensuel, plus fluide. Et en dernier, vous avez percussion. Dedans, vous avez des chimies, des vibrations. I think that's the best one that I like. Exactement, des chest chimies. Donc, c'est vraiment fun. Et ouais. C'est divisé en différentes catégories, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, ça, c'est un peu le belly dancing. Ouais. Ce que vous avez dit juste avant là, alors les meilleurs danseurs, self-taught, c'est ça, je gagne votre personnalité, your propre personnalité. Parce que vraiment, vous pouvez inspirer vous avant. Il ne faut pas copier, juste copier ça, parce qu'on a déjà un demon qui veut faire les bien. Il ne faut pas copier, il faut plutôt inspirer and like create a new trend. Exactly. Voilà. Yes, ladies and gentlemen, a little clip about belly dancing. I wanna do and I wanna La danse du ventre, plus correctement appelée danse arabe. Il s'agit d'une danse expressive arabe qui a ses origines en Égypte depuis l'Antiquité. Il présente des mouvements des hanches et du torse. Il a évolué pour prendre de nombreuses formes différentes selon les pays et les régions, à la fois dans le style vestimentaire et dans le style de danse, avec un style égyptien le plus reconnu au monde grâce au cinéma égyptien. Les artistes interprètes en Égypte n'étaient pas seulement des femmes, mais également des hommes. C'est l'influence européenne qui a ensuite promulées danseuses aux dépens des hommes, car les voyageurs européens préféraient voir les femmes danser. Le groupe ethnique qui se produisait en public dans les rues s'appelait Gawazi. I'm so happy to be here with you today, and now it's your turn to play and win with NBC and Come On Let's Dance. Jouez avec l'NBC et Come On Let's Dance et remportez un voucher d'une valeur de 3000 roupies offert par Quartz Mammouth. Répondez à la question suivante. Qui est la danseuse dans le clip Natch Mary Ronnie? Réponse A, Noura Fatehi. Réponse B, Katrina Kaif. Tapez Dance espace la réponse A ou B. Vous envoyez sur Multimobile 84 84, MTEL 87 78, Chile 83 83. Vous avez jusqu'au 2 janvier pour y participer. Bonne chance! And now it's your TikTok moment. TikTok moment. Comment faire pour voter pour votre TikTok préféré? You go on the Mauritius Broadcasting Corporation page, le Facebook page, vous cherchez le lien TikTok, vous votez clip 1, 2 ou 3, on comment, and that's all you gotta do to vote for your favorite TikTok. Here are the three new ones. TikTok moment. She no like you got a naughty, but she go chop pump if you give a cucumba. Waka from Transamati, till I let begin, shake a willow locumba. Baby, make I give you solid. Make I even mix some with a Leona walk pow. Hey, wait, let me tell you. TikTok moment. Dina yaha, marna yaha. Isi ke siwa, jana kaha. Jita hai jab ham ko awaz do. Ham hai wahi, ham hai jaha.
TikTok moment. TikTok moment. Pour voter pour votre TikTok à préférer, allez sur la page Facebook de Mauritius Broadcasting Corporation et cliquez sur Comment et tapez Clip 1, Clip 2 ou Clip 3. Now it's so sad, it's already the end of the show. Comment vous le connaissez, il y a tellement vite, c'est un bien intéressant. Alors là, pour remercier Benjamin, bien sûr, le groupe Hashtag Dance Fitness Studio. Merci beaucoup, Geneviève, partage votre expérience avec nous aujourd'hui. Un petit mot de fin avant de partir, Benjamin. Donc, merci à toi pour l'invitation, premièrement. Et j'espère qu'ils ont tous pu trouver qui Zumba, Body Burnout, etc. Très facile. Et j'espère que vous êtes tous dans la salle bientôt. Comment faire, justement, une autre classe? OK. Donc, au fait, la salle, ils trouvent à Belle Rose, près de l'église Saint-Jean. Tout le monde connaît. Donc, je tape mon nom sur social media, Lake Benjamin. Je vous trouve moi partout, mon numéro de téléphone, tout moment de classe et que vous contactez-moi. Merci beaucoup. Voilà. Et pour vous, Rosie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comment faire pour contacter Rosie pour une open classe? Merci à vous de même, Jerry. Donc, pour me contacter, vous pouvez aller sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez taper Rosie Dance Mauritius et j'essaie de commencer les classes dans différents endroits à l'île Maurice. Donc, juste vérifiez mon Facebook ou Insta, vous allez voir. Et un petit mot de fin à tous vos fans qui vous regardent en ce moment. Donc, déjà, je voulais dire merci à surtout à mes élèves qui ont été là et à toutes les gens qui m'ont supporté. Commencer dans la danse à Maurice, c'est pas très facile. But it's something new, like I said, create a new trend. Donc, it's something new. Donc, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup de gens à faire, de continuer la danse, de danser. Peu importe quoi, just move your body. Whether you think that you can dance or not, just start. C'est ça le but, en fait. Just enjoy the music. Voilà. It's so fun. Exactement. Merci beaucoup encore une fois. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau de Come On, Let's Dance. Ladies and gentlemen, alors moi, tiens, content de remercier nos bandes partenaires. Alors, Sonesh Photography, Course Mammouth, et bien sûr, Maison Sacha. Thank you very much, the whole team of NBC. Thank you very much for your emails. Okay, season 2 is coming to an end very, very soon. Not yet, though. And in the meantime, I'd like to tell you all to take care of yourself. Protégez-vous, protégez votre famille. Take care. We'll see you. But you've got a performance coming up. Okay? But we'll see you very soon in the meantime. Take care. Be good. Always be good. Et on termine en beauté. Rosie Dance Mauritius in a beautiful belly dancing performance. Ciao.